Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle intervention frelon asiatique. Donc celui-ci, le client l'a pas vu, mais c'est son voisin. Il a vu un aller-retour d'un insecte à un point fixe. Et si on peut l'apercevoir, je vais essayer de regarder. Regardez celui-là. Alors il est où? Même là, on le voit mal. Avec un peu de recul. C'est un truc de fou, on voit à peine. Là, regardez. De vous le montrer, on le voit il est juste devant mon doigt là. Pour vous dire qu'il est bien caché. Je sais pas si on voit bien, il est juste là. Voilà. Donc là, ben voilà, c'est en pleine saison, c'est le plein boom, vous avez vu, c'est très vicelard, ça fait pas de bruit, c'est bien calfeutré. Donc j'ai dit aux clients qui préviennent les voisins, parce qu'on peut voir que bien sûr, ben, à côté, il y a plein de maisons. Avec les chutes des frelons, ben, vaut mieux prévenir que guérir. S'il y a des chiens, il risque de se faire piquer quand ils vont tomber. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer. Donc j'ai détecté l'aller-retour. Donc il me semble que c'est 2-3 pâtés de maison. Ouais, il n'y a personne? Non. Ok, ça marche. Bon, bah là, je vais y aller, je vais faire le traitement. Comment? Ouais, une heure, ouais. C'est ça? Ouais. Ouais, une heure. Non, mais c'est vrai qu'il est vicelard. Là, on le voit bien, là. Devant les feuilles. Ah ouais, il fait... C'est pas mal.